Salut à tous, salut à toutes, ici Squall, aujourd'hui quatrième épisode du Let's Play sur le dernier DLC de Borderlands 3. Donc dans l'épisode précédent, on a pu récupérer cette arme-ci que l'on va ici tester et on a pu tuer... On a tué qui? On a tué Brick, on a tué Mordecai et on a tué Lilith qui étaient tous des versions méchantes dans l'esprit fou de Krieg, l'esprit ici Krieg le sadique qui a l'impression que tout le monde est méchant avec lui, tout ça c'est un peu l'esprit de la personne un petit peu du Calimero. Et donc là on va continuer tranquillement. L'objectif du DLC donc c'est de remplir cette statue avec une hache, la basaxe qu'on a récupérée, le masque et le dernier truc que j'ai oublié. Mais c'est pas grave, allez c'est parti. Elle est impliquée dans tout ça. J'espère qu'elle sera pas toute bizarre comme les autres. Parce que sinon... Préciosité, tirez sur le témoin. Ok, ok. Mais je te fais vraiment confiance. Désolé, le souvenir qui vient, c'est personnel. Je l'ai pas revu depuis... Disons que... C'est tout ce qu'il nous reste d'elle. Je vous retrouve là-bas. Ah ! Faut que j'aie une petite discussion. Ça a peut-être parlé de Maya, voyons, ou peut-être de la maman, hein. On ne sait pas. Alors attendez, je me replace de manière à réussir ce petit let's play. Ouais, on y est, en effet. Ce type et moi, on n'est jamais d'accord sur rien, sauf quand il s'agit d'elle. La jolie dame. Il a dû lui donner le gantelet pour le mettre à l'abri. Allez, il faut qu'on la trouve. C'est parti. Voilà. Alors. La voilà. Mais je comprends pas. Je peux pas l'atteindre. La jolie dame bleue. Tout le reste est peut-être complètement timbré par ici. Mais ah ouais, elle est là. Il l'a pas changée. Elle est exactement comme je l'ai laissée. Salut. C'est Maya. Ça fait un bail. Ouh! Viens me dire bonjour! Maya. Je sais qu'elle est morte, mais. Elle a l'air tellement réelle. Quoi? Il sait qu'elle. Oh non! Mes souvenirs. Parfaite. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Attention. Attention! Mais pourquoi? Le feu de charbon était le cavalier. Bien entendu, le train. C'est là qu'on l'a rencontré. Et il pensait que le train l'emmenait au loin. C'est ma faute. Je l'ai laissé en liberté dans nos souvenirs. Regardez, elle a fait tomber son livre. Elle se promène jamais sans. Ramassez-le, ça pourra peut-être nous servir. Craig, ne m'abandonne pas, Craig. Calamité! Je sais... Allez, il faut qu'on la rattrape. Aux prises avec la lignée lointaine. Regardez un peu ça. Allez. Je détecte un immense pic d'activité neuronale à tous les étages. Il semblerait que Krieg soit capable de rester concentré quand il s'agit de Maya. Krieg, sers-toi de mon livre. Où? Comment? Je t'en supplie, Maya. Guide-moi. Ah! Quelle que soit la distance qui nous sépare, Craig, je serai toujours avec toi. On arrive, Maya. Ok.
L'arme a l'air correcte, mais il faut maintenir la bonne distance, j'ai l'impression. Hop. Voilà. Alors, hop. Hop, on gagne un niveau de plus. Alors. Oh con. Okay. Alors, est-ce que j'ai la version? Ouais, j'ai la version corrosive. Et... Oh. Là, il me fait ch'tiber, lui. Peut-être les retours de Vermi. Alors. Comment est-ce qu'on atteint par là? Ok, donc c'est là. Je fais. Faut faire de la merde. Hop. Voilà. J'apprécie ton talus. Hop. Ah. Alors attention. Tidal wave. Hop. 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 Alors. Continuons. Ok, donc ça c'est le train. Hop. Tac. Alors il y a quand même le Zbeul. Putain, moi je voulais savoir ce qui se passe pour Maya à la fin là, ça c'est dommage que ce soit au milieu. Voilà.
là. Alors attendez, j'ai quand même envie de tester un truc. Tac, on va reprendre ça. Ok, ça va. Ça va pas être possible, monsieur. Ça va pas être possible. J'ai horreur de ces connards avec leur shield. Ah, oh, quel plaisir. Alors, sortir de la gare de triage. Il faut qu'on attrape ce train. Mais la seule façon d'avancer, c'est par là-haut. Trouver un moyen de changer l'aiguillage. Ok. Accrochons des explosifs sur cet engin de malheur. Comme une fusée. Un wagon de queue vers la lune, dirons-nous. C'est amusant. Il aurait pas dit mieux. À croire qu'on a tous besoin d'un peu de folie pour survivre. Bon. On dirait un campement de mineurs. Il devrait bien y avoir des explosifs qui traînent dans le coin. Bah, on va regarder. Hop. Alors. Par contre, ce truc de pouvoir sauter, quel plaisir. Destruction de fusée spatiale. Ouais, comme il dit. Coller ces explosifs à l'arrière du wagon de queue. On va se faire une petite partie de mini-golf. Sauf qu'au lieu d'être mini, le golf sera gigantesque. Non ! Je suis en paix. Arrêter de perdre du temps, on va faire le tour. Parce qu'à ce rythme là, on va clamser avant. Tac, d'avoir fini. On va faire ça. J'aime bien le délire des deux Krieg. Descendez du wagon de queue. Si vous ne voulez pas exploser en boue de bandit. Et si vous le voulez. Sachez que ma créature mangera vos restes. Non, il va bien. On n'arrête pas de mourir ici, vous savez. C'est comme une sorte de... cauchemar. Craquez les petits os. Je vais en effet craquer les petits os. Eh merde. Pourquoi je suis tombé? Non! Et merde, j'ai pas vu la plus belle scène parce que je suis une grosse merde. C'est un pur plaisir. C'est ce qu'on appelle une solution démente à un problème de fou. Est-ce qu'il n'a rien d'exceptionnel par ici? Allez, on continue. Alors... bizarre. Enfin, aussi bizarre qu'il puisse être un train géant monstrueux. Mais ça a l'air d'être son repère. Ce train se comporte comme un animal. Quoi de plus logique
que d'avoir un repère. Et c'est là qu'il a dû l'emmener. Allez, il faut qu'on entre là-dedans. Let's go. C'est quoi ça me saoule? Alors, les Nimbus là, non merci. Je me demande si ils peuvent... Non, il meurt pas sur les rails. Oh, c'est dommage. Pour moi non plus, visiblement. Regardez. On peut même pas mourir. Ça c'est dommage. Tu fais le DLC tranquillou. Hop, tu prends le train sur la tronche. Je sais pas où faut aller. Pas évident. Ah bah. Je vois qu'un moyen. Mais bon, vous allez juste devoir suivre un train anthropomorphe en colère dans un portail étrange. Je vois pas ce qui pourrait mal se passer. Nous pourrions finir coincés dans un monde parallèle où les couteaux n'existent pas et les gens se poignardent. Oh ! Dis-lui merci maintenant. Et dis-lui aussi que grâce à elle, on pourra peut-être un jour, qui sait, agir de nouveau comme quelqu'un de normal. Ça, c'est une référence à la rencontre entre Maya et Krieg. Où ils se rencontrent sur un... Faut regarder la vidéo sur internet, mais grosso merdo, ils se rencontrent. Dis-moi, tu sais te battre ? On aurait bien besoin... Autour d'un train, et puis Maya, elle voit le sadique, elle essaie de lui taper dessus. Puis il y a des rats qui sont sur le point de buter Maya, et Krieg lui sauve la vie. Elle nous a invités dans sa famille. Elle nous a donné un but, et elle a disparu. La jolie dame ! T'en fais pas, l'ami. On la retrouvera. T'arrêtes pas. Pas s'arrêter. Je vais pas laisser cet engin me l'enlever. Les souvenirs, c'est tout ce qu'il me reste. Attendez.
Non, 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 non. J'essaye de comprendre. Attendez, là, j'ai l'impression que celui-là, il va être compliqué. Bon, la vidéo sera un peu plus longue, mais je m'en fiche, je veux réussir. Putain. Ouf. Quoi? Faut pas aller par là? Non! Nous, chasseurs de l'arche, ça ressemble à n'importe quelle pensée de Krieg. Intéressant, mais incomplet. Yes. Continuez à chercher plus de données. C'est un pur plaisir. Mais je refuse d'émettre une hypothèse sans plus d'informations. Alors, voyons ce qui se passe. Ok. Hop. La vidéo sera plus longue, mais là, j'ai pas du tout envie de la couper, donc tant pis. Je suis à fond. Voilà. Allez. Hop. Et que toi. Ok. Alors maintenant, on doit aller où? Ok. Alors est-ce que ici, pardon, signal. Il n'y a que des trucs de signaux, il n'y a pas de créatures. Étrange. On va voir ce que vous cachez. Peut-être qu'il faut répondre à tous les signaux pour pouvoir trouver un invincible ou j'en sais rien. Rejoindre le repère de Locomobius. Alors, un nouveau boss à venir. Je crois que le train essaie de nous piéger ici. Les criquets l'emportent sur les ringots. Alors les gardiens sont une sorte de mécanisme de protection. Ils en font quand même un sacré paquet. C'est pas nous le problème ici. Je suis pas un laisseur de pique muet. Ils sont attirés par les souvenirs de Maya. Servez-vous de son livre pour les attirer. Ok. Je serai de retour très vite, mon grand. Je te le promets. Je peux peut-être aider. Je pensais qu'on allait tenter de les convaincre. C'est un peu psychologique ce truc, j'aime bien. Un esprit endeuillé peut faire des choses. Pour se protéger. C'est toujours pas fini, mais il y en a combien là? Ils en rajoutent pour simuler. Ah mais c'est Maya qui les immobilise, ok. Niveau 64, tac. Voilà.
Non. Voilà, hop. Maintenant, c'est presque fini, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Long musket, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Rerouteur, pareil. Et voilà. On devrait pouvoir réussir à sortir maintenant. En avant. Alors, tac, on va utiliser les jetons ici. Et normalement, si je dis pas de conneries. Ça y est, les attaques au corps à corps ou les pionnages déclenchent une réplique. Ok, on va voir ce que ça va donner. Bon, bah en tout cas, j'ai débloqué ce pouvoir là, c'est cool. Ouf. Le petit train qui arrive à côté. Oula, oula, oula. Oula. Allez, on continue. J'ai pas envie d'arrêter. Du coup, je n'arrêterai pas. Aïe. Finalement, heureusement qu'on se fait pas déglinguer par le train parce que. Je me serais déjà fait éclataxe. Hop hop hop. Ok, ça c'est du bleu. Ok, donc faut aller à gauche. Parti. Bon, désolé, mais les ondes cérébrales, frérot. Tu casses les couilles. Get. Hyménoptère. Bon, bah, je sais pas où. Je sais pas où sont allées les autres ondes. Je voulais voir si c'était derrière et malencontreusement. Je me suis perdu. Vous allez devoir être plus rapide pour récupérer ces données, chasseur de l'arche. Ok, 1, 2, 3. On a là, là. Dans là. L'ombre. Là et. On y met nos terres. Là. Ah, il est triste. J'ai les épaules qui gèlent. Étrange. Je ne suis pas fait de sang, alors. Salut. Alors, qu'est-ce qu'on a donné? Putain, des méchants partout. Petit brutal en colère, tac. Distrayez-le.
Il y en a partout. J'ai horreur de ça. J'ai horreur des brutaux. Enfin, des... Voilà, des mecs comme ça qui portent leur truc, là. Leur shield. Ils sont horribles. Allez, salut. Ça dégage. Quoi ? C'est par là. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est là. Quel con. Non, non, non. Ah, dégage ! Oh ouais. Salut. Alors. C'est exactement ce que je disais. Va défoncer l'horrible création à coups de batte. Ah bah là ça va être un combat de boss, c'est ça? Il faut qu'on la tire d'ici. Te voilà. Depuis le temps que j'attends des renforts. Qu'est-ce qui t'a ralenti comme ça, mon grand? Tu avais laissé tomber ton livre. Oh, tu peux le garder. Quelque chose me dit que t'en auras plus besoin que moi. Ce machin va pas tarder à revenir. T'es prêt à te battre? Bien sûr. Pour écraser et frapper. Je me disais bien que tu dirais ça. C'est parti. Oui, repartons ensemble à la chasse. Alors, Locomobius, donc on attaque, on va prendre des dégâts électriques corrosifs. Laisse-toi prendre par la chasse. J'ai l'impression que ça va être quelque chose de complexe de le buter, lui. Quoique, peut-être que... Avec ça, s'il reste immobile comme ça. Voilà. Bon, c'est plus facile avec cette arme. Ouais, elle nous dit quand même qu'il faut qu'on se batte et elle se bat pas. Elle a les... étrange. Ah, ok, donc on peut quand même lui faire du dégât. Ok. Pourquoi il reste pas un peu immobile, s'il vous plaît? Ok, ça, ça lui fait pas de dégâts. Bon bah voilà. Alors.
Donc tout ce combat pour ça, hein. Pour l'instant, j'ai eu, à part le shield, absolument rien de nouveau. C'est quand même, c'est pas mal, hein. Alors qu'est-ce qu'ils ont à dire? Attends. Où est-elle passée? La coquille brillante est pointue. Le gantelet. À chaque fois qu'on a été obligé de se défendre, j'imaginais qu'elle était à nos côtés, à nous protéger. Hé, hey, une petite minute, où est-ce que tu vas? Tu veux pas venir avec moi? Le train va bientôt partir, mon grand. C'est ta dernière chance. Ça. Pourquoi tu veux pas m'accompagner? Tu s'en as pas étalé nu sur le sol! Je lui ai dit qu'on n'avait rien à lui offrir. Ça faisait tellement longtemps qu'on était seuls à combattre pour survivre. Et c'est là que c'est arrivé. Elle m'a entendu. La vie, c'est plus qu'une simple question de survie, mon grand Dadais. T'as pas un truc pour lequel tu te bats? Et c'est en l'entendant que je me suis rendu compte que oui. Dans l'univers de oui-oui! T'as tout compris. Un poisson vidé! Ouais, tu l'as dit. C'est la seule personne à m'avoir donné de l'espoir. Encore aujourd'hui, j'aimerais l'emmener avec moi en partant. Mais... enfin, bref. Repartons. Oh, c'est triste! Maintenant, on a encore... Tatia Maya. Salut. C'est quoi ça? C'est toujours un plaisir de te voir. Votre photo, tac. On va prendre une petite photo de El Maya. Le retour de la Maya. Ah ok, d'accord, on est déjà le retour ici. Ok. Donc on va parler aux Kriegs sensés. Elles sont plus fragiles qu'elles en ont l'air, pas vrai? On peut... très bien, on a le gantelet. La statue est presque complète. Et ensuite, je pars pour de bon. Des pics pour le gréviste. Allez, après on a encore le masque. Et c'est fini. Il nous manque juste le masque. Et on pourra entrer dans le bal à l'arche. Alors, j'ai eu un shield. Non. Limite brisée, c'est dangereux d'abîmer une voiture à 20% des abreux. J'ai l'impression que c'est un peu tous les mêmes shields. Nulle part. Le chaos est annulé. Pardon? Mais qu'est-ce qui peut bien te faire peur? Oh, la blancheur de son manteau. Oh. Oui. Quel est le problème? Pour obtenir le masque, il dit qu'on doit retourner là où tout a commencé. Là où lui et moi, on s'est... rencontrés. L'homme aiguille approche! Tous à bord du wagon de souffrance! Alors, je sais pas ce que ça va être, ça, mais... je sens qu'on va bien s'amuser. C'est chaud pour nous, mais... je vous en prie, chasseur de l'arche. Allez-y quand vous voulez. Bah écoutez, on va y aller, mais on va y aller dans le prochain épisode. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'oublie pas de lâcher le petit pouce bleu avant de partir. Quant à moi les amis, je vous retrouve tous très bientôt pour un prochain épisode de ce Let's Play, mais également une prochaine vidéo. C'était Squall, salut à tous.